C'est une plongée dans le grand bain. Un monde de féerie et d'effets spéciaux, l'odyssée de Léa Catania dans la super-production d'Avatar. Doublure et cascadeuse dans l'un des plus gros succès mondial du cinéma. Un rêve américain débuté il y a 9 ans de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, au Cercle des Nageurs, la championne de natation synchronisée passe une audition qui va changer sa vie. J'ai fait mon audition, ils m'ont donné 48 heures pour dire un oui ou un non, et j'ai dit oui. Et 2 mois après, je me suis retrouvée à Vegas avec mon permis de travail, tout ça. Un visa qui va lui permettre de travailler pour l'un des spectacles les plus en vue à Las Vegas. Prouesse technique et dextérité, son travail acharné et sa détermination vont lui permettre d'être repéré et d'intégrer le casting d'Avatar 2, La Voix de l'eau, pour doubler les acteurs dans les scènes aquatiques d'un réalisme à couper le souffle. En fait, c'était surtout ce qui est intéressant, c'était de la création. En fait, personne n'a jamais fait de la motion capture sous l'eau. Donc James Cameron, en fait, quand il est arrivé, ça qui était génial, c'est qu'il a dit « Ok, ça va être de la création. On va créer, il n'y a personne qui l'a fait, donc tout ce que vous allez faire, il n'y a pas d'erreur. Je vais juste vous dire si j'aime ou j'aime pas. » Donc ça a vraiment été un échange et ça, je pense que c'est pour ça aussi que c'était très beau et très intéressant, quoi. Une collaboration qui fait aussi le bonheur et la fierté de ses parents. Je suis allé le voir 2 fois parce que la première fois, je n'ai pas vu son nom dans le générique. Donc il fallait que j'aille, que je retourne. Et vous l'avez vu la deuxième? Oui, la deuxième fois, oui, je l'ai bien vu, je l'ai photographié. Et voilà. Léa est une jeune femme passionnée. De toute petite, elle va jusqu'au bout des choses. Et je suis très fière de sa réussite parce que partir d'un petit village au départ de 1000 habitants et le parcours aujourd'hui, vivre aux États-Unis. Une odyssée américaine bien partie pour se poursuivre. Léa Catania sera également du casting d'Avatar 3 dont la sortie mondiale est prévue en 2024. En attendant, l'actrice de 29 ans est déjà tournée vers de nouveaux horizons.